je vais m'adresser à Sylvain Pierson. Le RSE, dans un groupe d'optique et d'audition, ça consiste en quoi concrètement et qu'est-ce que cette labellisation vous apporte ? Alors, le RSE, ça recouvre beaucoup de dimensions différentes. Nous avons une usine de verre à Bazainville, dans les Yvelines. Donc, nous sommes un acteur de la relocalisation de l'industrie. Ça recouvre aussi, bien sûr, la formation, l'épanouissement de nos collaborateurs. Ça recouvre la réduction de l'impact environnemental de notre usine, de nos 1600 magasins. Mais c'est aussi l'innovation, c'est aussi le rôle que nous jouons en matière de santé. C'est aussi la satisfaction de nos clients, bien sûr, celle de nos collaborateurs également. Donc, vous voyez, c'est très vaste quand on parle de RSE pour un acteur de l'optique et de l'audition. Elisabeth, vous souhaitiez les interroger. Quand on est un groupe comme le vôtre, que reste-t-il à faire en matière de RSE ? Est-ce que vous avez encore des chantiers ? Parce qu'on a l'impression que vous avez tout fait. Les prochains défis. En fait, la RSE, c'est un combat de long terme. Donc, c'est-à-dire qu'on est toujours obligé d'innover pour la filière, pour s'assurer qu'on va aller toujours plus loin. Et donc, il nous reste énormément de choses à faire. Il nous reste des choses à faire pour nos collaborateurs, pour s'assurer qu'ils soient toujours dans le meilleur endroit, qu'ils aient toujours les meilleures conditions de travail. Il nous reste des choses à faire pour nos fournisseurs. Il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on les force à nous accompagner sur le point du RSE. Et il faut qu'ils soient aussi exigeants que nous sur cette thématique. Alors, il nous reste aussi un grand prix à récupérer tout de suite. On va faire une belle photo ensemble. Grand prix de labellisation RSE. Alors, Elisabeth, il vous appartient de remettre ce grand prix. Lourde tâche. Je voudrais rappeler lourd, que Elisabeth est rédactrice en chef d'Europe 1 et journaliste. La France bouge. Oui, la France bouge, évidemment. Voilà. Félicitations. Voilà, on peut faire une belle photo tous ensemble.